Et nous rejoignons sur place notre équipe qui vit au rythme du Matava depuis hier, au programme des spectacles de danse. Ce soir, les groupes de Wauka et Hivaoa, Chiquita d'Arouzès, le Tavana de Hivaoa, Joël Frébeau est à vos côtés. Et oui, Suliane, justement, nous venons d'assister à une prestation magnifique donc du groupe de Uahuka, mais je suis avec donc la mère de Hivaoa, parce que ce sera le spectacle qui viendra juste ensuite avec en public, bien sûr, les passagers de la Ranui fraîchement débarqués il y a à peine une heure. Hivaoa, donc grosse délégation de 207 personnes, avec moi leur Tavana, Joël Frébeau. Bonsoir, c'est votre premier Matava'a, qu'est-ce que vous nous avez réservé? Oui, bonsoir à tous. Donc c'est mon premier Matava et donc vous allez bientôt voir donc nos prestations. Alors qu'est-ce que vous nous avez réservé ce donc vient d'assister quand même à un spectacle grandiose. Ouais, un beau spectacle avec énormément de danseurs et danseuses. Donc on va faire le haka, le tapea, le rari, le mahou, le mahoré. Donc vous allez découvrir très bientôt. Ça vous fait quoi d'amener la plus grosse délégation de ce festival? Donc on est vraiment contents. On voit bien que notre jeunesse vraiment est très prise par notre culture. On est très fiers de la montrer. Donc toi aussi, tu as été à l'époque sur cette scène, comme ces jeunes-là. Ça fait quoi de voir ça en tant que spectateur, en tant que mère de... Oui, c'est inné chez nous, les marquisiennes. Les marquisiennes tout petits dansent déjà la danse marquisienne. Et donc là, on est vraiment très contents d'envoyer cette délégation. Et j'espère que notre spectacle sera très apprécié. Alors le 14 juillet, vous allez siéger aux côtés du président de la République, Emmanuel Macron. Comment avez-vous réagi à son invitation? Oui, pareillement. Donc on a été très contents d'avoir son invitation la semaine dernière. Et donc je vais partir à Paris lundi pour être là-bas au défilé du 14 juillet avec notre président Macron. Donc je représenterai l'archipel des Marquises et la Polynésie française aussi. Ça signifie quoi pour vous, une telle invitation? On est vraiment contents. On pense que c'est parce qu'on l'a reçu. On l'a très bien reçu chez nous aux Marquises lorsqu'il est venu il y a un an. C'est peut-être pour ça qu'il a pensé à nous. Voilà donc ce que l'on pouvait dire. Et donc justement, comme vous venez de voir ici, c'est un petit peu l'euphorie sur la scène de Anitao. Je vous laisse donc apprécier un petit peu ce qui se passe derrière nous, donc le spectacle de Uahuka. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.